Alors tout d'abord, avant de vous expliquer en quoi consiste notre expérience et l'appel à projet auquel nous avons répondu, je vais vous présenter brièvement notre établissement. Donc, nous sommes un pôle gériatrique avec plusieurs offres de soins, un pôle sanitaire qui représente 146 lits de soins de suite et réadaptation à orientation purement gériatrique. Un pôle ambulatoire avec 10 places d'hospitalisation de jour, toujours à orientation gériatrique. Un pôle médico-social avec 47 lits d'EHPAD et 40 lits d'unités de soins de longue durée. Et puis au milieu de tout ça, un petit peu de télémédecine. Il nous manquait un pôle domicile et c'est pour ça que nous avons donc répondu à l'appel à projet fait par l'agence régionale PACA concernant donc un EHPAD hors les murs. Et nous avons une file active de 30 bénéficiaires pour cette nouvelle offre de soins que nous proposons. Alors la genèse du projet, en fait, c'est issu d'une réflexion entre les différents professionnels, hein, une réflexion menée durant l'été 2018 sur le projet d'établissement de notre pôle gériatrique et avec une volonté, j'allais dire, de construire une filière gériatrique complète de l'hospitalisation jusqu'au domicile. Nous avions une implication forte dans les réseaux, hein, avec un ancrage territorial important et une implantation dans le maillage sanitaire varois de longue date. Qui nous a permis, j'allais dire, de faciliter les relations entre les différents professionnels de ville. Ce projet, en fait, est issu de 4 points de rupture qui avaient été identifiés par l'agence régionale concernant les personnes âgées, entre autres. C'était la problématique de la prise en charge de nuit et de week-end en ville, une fréquence et une durée aux urgences trop importantes, une problématique en fait d'absence de circulation de l'information et de coordination entre les établissements de santé, ville, domicile et EHPAD, et également une fragilité et un épuisement des aidants. Donc en fait, nous on a souhaité exporter notre savoir-faire de l'EHPAD au domicile des bénéficiaires. En sachant qu'on est là uniquement pour faire de la coordination. En clair, en ville, il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour pouvoir, encadrer les personnes âgées qui souhaitent rester à domicile. Mais là où on a identifié des difficultés, c'était dans la coordination des différents professionnels de ville. Le kiné, par exemple, qui vient à domicile, n'avait pas obligatoirement les moyens, j'allais dire, de faire des transmissions à l'infirmière, le portage de repas. Nous, on est là pour coordonner tout ça. On n'est pas là pour se substituer aux professionnels de ville. Ça, c'est très important. On doit même on est obligé de travailler avec eux. On reste là uniquement pour faire de la coordination. Et vous verrez plus tard, mon adjointe vous expliquera ce qu'on a mis en place pour pouvoir justement coordonner l'ensemble des prises en charge nécessaires au maintien à domicile le plus longtemps possible. On peut dire qu'on est pivot dans l'organisation des prises en charge des personnes âgées dépendantes qui souhaitent rester à domicile. Notre dispositif que nous avons nommé Marvivo chez vous a débuté le 19 juin 2019 et nous avons atteint notre vitesse de croisière 6 mois après, puisque en décembre nous avions 30 bénéficiaires. Alors, notre premier défi, comme le disait Monsieur Dutch à l'instant, c'était de mettre en place un parcours coordonné. Il y a différents intervenants au niveau du domicile et il a été constaté une absence de circulation de l'information entre tous les intervenants, que ce soit les établissements de santé, les EHPAD et les intervenants de ville et du domicile. C'est pour cette raison, en fait, que notre objectif principal, c'est de mettre en place notre dispositif en tant que pivot pour fluidifier le parcours de soins et organiser les prises en charge autour de la personne âgée qui souhaite rester à domicile. Le deuxième défi, c'est de mettre en place un partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire et les associations pour
organiser et faciliter les prises en charge. Le troisième défi, c'est de mettre en place un système d'information agile et simple, aussi bien auprès des intervenants que des bénéficiaires. Nous avons malheureusement rencontré quelques problématiques. La crise sanitaire que nous vivons actuellement a impacté l'avancée du dispositif, aussi bien au niveau du système d'information que sur l'organisation. Lors de la première vague, certains bénéficiaires ont souhaité que nous réduisions en fait nos interventions. Nous sommes donc recentrés sur la coordination des actions et sur l'information diffuse de l'épidémie. Par exemple, nous avons créé des petits mémos. Nous sommes rendus au domicile en fait, des bénéficiaires en leur mettant dans leur boîte aux lettres des attestations en fait, de sortie, puisque certains n'en avaient pas. Le système d'information, initialement, devait être déployé en mars 2020. Mais l'impact de la crise a fait que nous avons retardé en fait ce déploiement. Toujours s'agissant de la crise sanitaire, nous devions également intégrer ou proposer en fait des activités communes entre les aidants et les bénéficiaires. Malheureusement, pour éviter les regroupements, nous n'avons pas pu le faire. Alors, l'utilisation des tablettes informatiques nécessite beaucoup de formation de la part de l'équipe de Marvivo chez vous. La moyenne d'âge en fait des bénéficiaires est de 87 ans et c'est vrai que la plupart d'entre eux ont perdu de leur motricité. Nous avons aussi parfois une absence d'intervenants en fait au domicile de professionnels libéraux, ce qui parfois complique la prise en charge en fait au domicile. C'est le cas effectivement des médecins traitants, des kinés de ville ou des orthophonistes. Et c'est vrai que les aidants ne sont pas toujours disponibles pour les accompagner au cabinet de ville. Pour accéder à notre dispositif, les bénéficiaires doivent être évalués en GIR 1 à 3. Et nous avons eu par le passé des demandes en fait de personnes plus autonomes pour intégrer notre dispositif, mais qui étaient isolées. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu les suivre tout de suite, même si nous les avons réorientées vers d'autres associations. Enfin, nous n'avons pas dans le dispositif l'intervention de psychologues. Et c'est vrai qu'un soutien psychologique auprès des bénéficiaires et, je dirais, des aidants se révélerait très nécessaire. Il existe pour nous des prérequis. Le premier prérequis, c'est de réaliser une analyse des besoins. Quel est le bassin de population sur lequel l'expérimentation va agir? Quels sont les types de services d'accompagnement sur lesquels nous allons pouvoir nous reposer? Existe-t-il des intervenants libéraux présents sur le territoire? Et enfin, quelle serait la zone d'intervention de l'expérimentation? Il faut ensuite bénéficier d'une autorisation d'hébergement temporaire, puisque nous avons une chambre d'urgence au sein du dispositif. Et pour cela, il faut cette autorisation. Si ce n'est pas le cas, c'est intéressant d'avoir des partenariats avec d'autres EHPAD qui pourraient avoir cet hébergement temporaire et ainsi monter ensemble le projet. Il faut également un ancrage territorial renforcé par le porteur du projet. Le fait qu'il existe un savoir-faire et des réunions de travail, je dirais, de façon régulière sur le territoire, ça va quand même faciliter la mise en place du dispositif. Le dispositif doit reposer sur une expertise médicale gériatrique. C'est nécessaire que le médecin gériatre qui intervient au sein du dispositif et auprès des bénéficiaires puisse maîtriser les évaluations gériatriques standardisées. Et enfin, avant le lancement, il est très important de réaliser des réunions avec les services d'accompagnement et notamment les HAD et les IDEL pour pouvoir comprendre leurs attentes, bien leur expliquer le dispositif et comprendre par là même le domicile. Alors, à notre sens, on a identifié quelques clés de réussite pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure et dans ces nouveaux projets. Ce projet ne peut fonctionner que s'il y a une communication renforcée importante. Il faut que le dispositif soit connu des professionnels de ville, mais également des familles, pour qu'ils puissent nous faire des demandes d'admission à l'EHPAD Orléans-Mur. Il est important aussi, à notre sens, d'avoir une réunion de lancement avec les représentants de l'Agence régionale de santé qui soutiennent ce type de projet. Et cette réunion doit être faite, bien évidemment, en présence des associations du territoire et des acteurs locaux, afin qu'ils ne s'inquiètent pas, j'allais dire, des modalités de mise en place de ce type de projet. Très clairement, il ne faut pas se substituer aux services d'accompagnement, mais coordonner et rester à sa juste place. Enfin, il est primordial d'avoir une évaluation du service rendu
par le biais de suivi d'indicateurs, de questionnaires de satisfaction, afin de pouvoir, j'allais dire, quantifier et justifier du bien fondé de ce type de projet.